Concordance des temps. Jean-Noël Jacquet. Bonjour. Nous allons parler ce matin de la secte des assassins, qui est née d'une dissidence musulmane chiite et qui a prospéré au Proche-Orient au XIIe et XIIIe siècle de notre ère. En 1175, un envoyé de l'empereur Frédéric Barberousse la décrivait dans les termes suivants. Sachez qu'aux confins de Damas, d'Antioche et d'Alep, il existe dans les montagnes une certaine race de Sarrasins qui, dans leur dialecte, s'appelle Heisesini et en romain Seigneur des Montanas. Cette race d'hommes vit sans loi. Ils mangent de la chair de porc, contre la loi des Sarrasins, et disposent de toutes les femmes, sans distinction, y compris leurs mères et leurs sœurs. Ils vivent dans les montagnes et sont presque inexpugnables, car ils s'abritent dans des châteaux bien fortifiés. Ils ont un maître qui frappe d'une immense terreur tous les princes Sarrasins proches ou éloignés, ainsi que les seigneurs chrétiens voisins, car il a coutume de les tuer d'étonnantes manières. Cette brève évocation suffit à expliquer que depuis le 11 septembre dernier, on est souvent rencontré dans la presse et sous la plume des commentateurs des allusions à une secte qui, sous différents aspects, prend figure d'ancêtre du terrorisme actuel. D'autant plus qu'Oussama Ben Laden peut apparaître, au moins au premier regard, comme une réplique contemporaine du vieux de la montagne qui a conduit la secte à son apogée de 1162 à 1193. L'un et l'autre font en effet appel au fanatisme efficace de disciples décidés à mourir dans les attentats suicides. Avec Gabriel Martinez-Gros, professeur d'histoire du Moyen-Âge à Paris 8 et co-directeur de l'Institut d'études de l'Islam à l'EHESS, nous allons donc regarder cela de près pour tâcher de discerner, en dépit des immenses différences de civilisation à 9 siècles de distance, ce qu'il peut y avoir de commun dans les psychologies, les stratégies et les fanatismes. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Nous écoutons actuellement une ode à l'imam Ali, qui est un hafez de la province du Badakhshan, ancienne URSS, et qui est un chant des Tadjiks d'obédience ismaélienne. Ces Tadjiks-là qui sont d'obédience ismaélienne, parce que la plupart sont des sunnites, les ismaéliens sont précisément, les, du moins ceux de cette région, les descendants de cette secte des assassins dont nous allons parler. Ce sont les descendants donc d'une secte chiite particulière qui est née en fait au XIe siècle. Mais peut-être faut-il rapidement revenir sur ce qu'est le chiisme d'abord. S'il vous plaît, parce qu'au fond on a l'impression que c'est le fruit d'une série de dissidences successives, comme des essaims qui s'échappent successivement des essaims antérieurs. Tout à fait. Le chiisme au départ est un problème politique simple. Il s'agit de la succession du prophète Mohammed à la tête de l'État musulman qu'il a fondé à Médine en 622. Après sa mort, l'homme que déjà beaucoup voyaient lui succéder, c'est-à-dire son gendre et celui qui était aussi le père de ses deux seuls petits-fils, l'imam Ali précisément, fut écarté au profit d'autres. Et tout un parti se constitua jusqu'à mener en faveur d'Ali une véritable guerre civile contre les autres partis de l'islam pour imposer Ali et sa descendance à la tête de l'État musulman. Mais très rapidement, au 8e, 9e siècle, dans des conditions qui sont d'ailleurs assez mal connues, le chiisme prend une toute autre dimension. C'est-à-dire que ce qui est en cause, ce n'est plus seulement
le droit des successeurs par le sang du prophète de succéder au prophète, c'est le problème de l'accomplissement ou de l'inaccomplissement de la prophétie. En gros, le problème est de savoir si le sens du Coran est clos et clair. Une fois pour toutes, Mohammed a apporté le message auquel il n'y a rien à ajouter, dont l'interprétation ne peut pas déborder des limites totales extrêmement étroites, ou si au contraire, ce que les chiites appellent les imams, c'est-à-dire les descendants de Mohammed, ont hérité non seulement de ses droits temporels, en quelque sorte sur l'État musulman, je traduis ici en termes chrétiens qui seraient sans doute inacceptables dans un monde musulman, mais peu importe, on se comprendra mieux ainsi, mais tout se passe pour les chiites comme si ces descendants de Mohammed avaient hérité de ses grâces spirituelles, c'est-à-dire du droit d'interpréter le Coran, c'est-à-dire plus précisément du droit d'accomplir, de mener jusqu'à son terme une révélation dont Mohammed n'a accompli que la face extérieure, la face exotérique en quelque sorte. C'est la première coupure, le premier schisme entre sunnites d'un côté et chiites de l'autre. Pour arriver à nos assassins, il faut encore que les chiites se divisent deux fois. Il faut encore que les chiites se divisent deux fois. Il y a deux problèmes dans le schisme. D'abord, c'est le fait que le schisme propose par conséquent au Coran d'abord, au texte sacré d'abord, puis d'une manière générale aux choses, au monde, à la création en général, un sens ésotérique, un sens secret. Et ce secret, il va marquer toute l'action du chiisme classique entre le 9e et le 11e siècle, y compris bien sûr l'action de la fameuse secte des assassins à laquelle nous allons arriver, forcément. C'est par définition une secte secrète ou dont les moyens d'action sont secrets. Et puis, le deuxième problème du chiisme, c'est qu'il n'existe par génération qu'un seul imam, héritier des grâces temporelles et spirituelles du prophète, et que malheureusement, il n'y a pas de règle de primogéniture, c'est-à-dire que cet imam, vous pouvez le choisir comme vous l'entendez, ou plutôt comme Dieu vous l'inspire, à l'intérieur de la descendance de l'imam Ali, et plus précisément de son fils cadet Hossein, dans la descendance duquel les chiites choisissent leurs imams. Mais cette absence de règle de primogéniture est la garantie que presque chaque génération, il y a des risques de querelles terribles et sanglantes. Et il y en a en gros deux, effectivement, le chiisme va se diviser au 8e siècle en deux grandes branches, le chiisme dit duodécimain, qui est celui qui domine aujourd'hui en Iran. Duodécimain, pourquoi ? Parce que cette branche-là du chiisme entend qu'il y a 12 imams qui se sont succédés entre Mohammed et le dernier de ces imams, 12 générations par conséquent, avant que la lignée des imams ne se cache, en quelque sorte, ne s'occulte. Et elle reviendra à la fin du monde pour apporter, bien sûr, la liberté et la justice, et pour abolir la loi que Mohammed a apporté sous sa forme externe et que les imams chiites sont supposés accomplir, un peu comme Jésus, on est obligé de faire référence au christianisme assez souvent dans l'histoire du chiisme, un peu comme Jésus accomplit la loi de Moïse. Alors en face, les ismaéliens. Alors, le deuxième groupe, c'est effectivement celui des Ismaéliens qui arrêtent au 7e, d'où leur nom aussi de Septimain quelquefois, au 7e la liste de ces imams, et qui représente une forme, disons pour aller vite, intellectuellement plus offensive, plus radicale, intellectuellement plus radicale, quelquefois aussi politiquement plus radicale, mais surtout intellectuellement plus radicale du chiisme. Le chiisme ismaélien ou Septimain, celui dont va sortir la secte des assassins, a plongé des racines beaucoup plus profondes que le schisme du haut décimain, en particulier dans la philosophie grecque, dans la logique, dans ce que Hassan Issaba appelait la philosophie, précisément. Lorsque, pour la première fois, avant qu'il ne soit converti à la secte, on lui en a présenté le programme, il a dit, en quelque sorte, à celui qui tentait de le convaincre, ne me parle pas de ces gens-là, ce sont des philosophes. C'est-à-dire que ce sont, ils ont plus, ou ils sont plus proches des Grecs ou de la pensée grecque, que de l'islam, en quelque sorte. Il faut que vous nous le présentiez, c'est Hassan Issaba, qui est un de ceux, en somme, qui sert d'intermédiaire entre la pensée grecque et la Renaissance, indirectement. C'est vrai. D'une manière générale, le schisme a connu, et en particulier le schisme ismaélien, a connu des succès remarquables au Xe siècle. Et on a pu penser à un moment qu'il allait l'emporter dans le monde musulman en général. Il est le chef de l'une de ces deux familles ismaéliennes, après ce troisième schisme. Tout ça paraît assez compliqué. Oui. Finalement, en quelque sorte, en entonnoir, si je peux employer cette image.
un peu irrévérencieuse, on arrive à ces Nizarites. À ces Nizarites, oui. Dont le chef est Hassan Issa. Présentez-les-nous, s'il vous plaît. Voilà, bon, en gros, le principal succès qu'ont obtenu ces chiites ismaéliens, ce sont ceux qu'engrange la dynastie dite Fatimide, qui s'empare de l'Afrique du Nord d'abord au début du Xe siècle, puis de l'Égypte à la fin du Xe siècle, et qui s'y installe pour deux siècles. C'est cette dynastie qui fonde le Caire, d'ailleurs. Naturellement, à l'intérieur de cette dynastie Fatimide, qui est pendant longtemps la première et la plus forte dynastie de l'islam, qui mène une très active politique de propagande dans tout le monde musulman et qui paraît sur le point de l'emporter, il y a le problème traditionnel des Ismaéliens, il y a des divergences, en particulier lors des successions. Et en 1094, au moment de la mort de l'un des califes, des imams, des souverains fatimides au Caire, il y a une querelle de succession entre deux de ses enfants. Le vizir choisit le parti du fils cadet, qu'il installe sur le trône, et il fait assassiner le fils aîné, qui était jusque-là l'héritier désigné, et qui, pour toute une partie de la mission, c'est ainsi qu'on les appelle, hein, les missionnaires, les agitateurs ismaéliens, en particulier en Syrie et en Iran, est l'héritier légitime. Un héritier d'autant plus légitime qu'il a disparu. Hein. C'est-à-dire que vous retrouvez là cette légitimité que les Ismaéliens accordent en général au cachet, bien sûr. Au secret. Au secret. Ce qui évidemment fait écho puissamment avec Oussama Ben Laden aujourd'hui. Absolument. Et les cachettes des montagnes. Alors nous arrivons au début du XIIe siècle. Hassan Issaba envoie des missionnaires pour répandre sa doctrine en Syrie. Et voilà qu'apparaissent au sens propre, les assassins dont le chef resté célèbre, c'est Rachid al-Din Sinan, dit le vieux de la montagne, et qui les domine de 1162 à 1193. Arrêtons-nous un instant sur ce vieux de la montagne, sur la secte des assassins, au moment de son apogée. C'est la secte à son apogée parce que c'est celle qui a été le mieux connue, il faut le dire, des sources occidentales. Ah, c'est pas vrai, il y a une déformation à cause du regard plus qu'à cause de la réalité, vous pensez ? Un peu, c'est-à-dire que le centre de la secte est toujours resté en Iran. Hein. C'est Hassan Issaba et ses successeurs qui ont continué de tenir le haut du pavé dans la secte et de donner des ordres, même si ces ordres ont été pendant le règne, si j'ose dire, de Sinan en Syrie, ils ont été relativement négligés, mais en principe, le centre de la secte est toujours demeuré dans les montagnes du sud immédiat de la Caspienne, la région actuelle de Téhéran. Hein. C'est vrai que dans la mémoire occidentale, je citais tout à l'heure un envoyé de Frédéric Barberousse, voilà. Marco Polo aussi a joué un grand rôle dans la diffusion de la réputation ou de la légende des assassins du vieux de la montagne. C'est là qu'est l'essentiel et qu'aujourd'hui, spontanément, on se porte le plus pour une référence. La tactique de Sinan, c'est celle de son maître, Hassan Issaba. C'est-à-dire que il s'agit de tuer de façon sélective, hein, de tuer lorsque un meurtre peut apporter des bénéfices politiques importants. En bref, lorsqu'un meurtre risque de bouleverser le camp de l'adversaire et de l'abattre. Et c'est ce que fait par exemple Sinan en abattant un important personnage du camp franc, Conrad de Montferrat en 1192, qui était alors un candidat sérieux, disons, au trône de Jérusalem et à la reconquête de la Terre Sainte que les Francs venaient de perdre à l'avantage de Saladin. On nous dit que bien avant, c'est-à-dire la fin du XIe siècle, déjà Nizam al-Mulk, qui était vizir du sultan Malik Shah, un économiste politique de renom, avait été poignardé sur sa litière en se rendant de la salle d'audience à la tente de ses femmes. C'est peut-être le premier de ces assassinats. Tout à fait, oui. En 1192, c'est le premier assassinat dont... 1092 En 1192, c'est le premier assassinat dont un franc est victime, mais en 1092, c'est le premier, un siècle avant, 100 ans plus tôt, exactement, c'est le premier assassinat politique d'importance de la secte des assassins, et un assassinat dont il faut bien avouer qu'il a été remarquablement choisi. C'est-à-dire que Nizam al-Mulk, qui était le vizir et l'organisateur de la réaction sunnite contre les assassins est tué. Quelques mois plus tard, le souverain dont il était le premier ministre, le vizir, meurt à son tour et cette double mort entraîne une dislocation totale de l'empire seljoukide et une paralysie. Les seljoukides sont les Turcs qui gouvernaient alors l'essentiel du Moyen-Orient et une paralysie de la guerre de la répression contre les assassins et contre le chiisme en général. Donc l'art d'aller choisir un homme, un personnage qui est un chaînon essentiel dans la chaîne des pouvoirs. Tout à fait. On fait sauter le chaînon et ça a des conséquences qui dépassent infiniment l'individu en question.
Tout à fait. C'est déjà ça, l'esprit, si je comprends bien, les assassins. Complètement. Oui, alors, oui, où, comment sont-ils? Ils sont réfugiés dans des montagnes. Ça, c'est très intéressant aussi quand on fait la comparaison avec Oussama Ben Laden aujourd'hui. Il y a en particulier la puissante forteresse de Massiaf, qui est dans la Syrie actuelle. Absolument. Et qui est le fief des assassins. Est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement cette région, géographiquement? C'est dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Ansariyeh. C'est donc dans le nord de la Syrie, en face de Tarsus, entre la Méditerranée et les plaines du nord de la Syrie. Ce sont des régions exactement comme le centre réel de la secte en Iran, la région d'Alamout, au nord de Téhéran, dans le massif de l'Elbrouz. Ce sont des régions inaccessibles, et vous avez tout à fait raison, je crois, de faire le rapport avec Oussama Ben Laden. Il s'agit dans les deux cas, et ce n'est pas d'ailleurs particulier aux chiites ou aux assassins, il s'agit dans les deux cas d'un refuge trouvé par un homme né dans les villes, dans les zones sédentaires, qui est le cas de Ben Laden. Il a cherché la pureté, le refuge, l'efficacité stratégique dans les montagnes et dans les cachettes. Tout à fait. Les régions les plus escarpées. Tout à fait. Qui va chercher dans un monde donc en marge de l'État et qui par conséquent est pour cela même qu'il est en marge de l'État, qui a conservé des qualités belliqueuses plus marquées que celles des régions sédentaires ou des régions centrales des empires, qui va chercher donc à la fois un refuge, purement et simplement un refuge militaire, et aussi probablement des partisans capables de plus de valeurs guerrières que ceux du monde dont il vient. En quelque sorte, Ben Laden va chercher, il faut pas s'y tromper, en Afghanistan, à la valeur guerrière des Pashtuns, qui est quasiment légendaire dans toute cette région du monde, de la même façon que Hassan Issaba, en se réfugiant dans la région de Harlamout, allait chercher la valeur guerrière supposée et bien réelle, d'ailleurs même des populations qu'on appelait d'Aïlamides, c'est-à-dire des populations de cette région, qui étaient d'ailleurs à peine islamisées, ce qui permettait à Hassan de diffuser d'autant plus facilement son message ismaélien, c'est-à-dire un message profondément hétérodoxe. Il ne se heurtait pas à une culture orthodoxe islamique forte. D'autant plus qu'il avait assez largement renoncé à la charia pendant un certain temps. Tout à fait. Et c'est la même chose dans le Djebel Ansariyeh de Syrie. Vous êtes en présence de populations qui déjà, avant même l'arrivée des assassins, pratiquent un islam très hétérodoxe. Et, bon. Alors un apogée qui, au moins du côté du vieux de la montagne, dure jusque vers le début du XIIe siècle à peu près, du XIIIe siècle, siècle. Et puis peu à peu, à ce moment-là, le chef de la secte se rapproche du calife de Bagdad, rétablit la charia, et on voit progressivement la secte des assassins perdre de son prestige maléfique. Et c'est en 1273 qu'on peut dire que les assassins sont soumis à peu près définitivement. À peu près définitivement, oui. Et à peu près à la même époque, dans leurs deux bastions, c'est-à-dire en Iran et en Syrie. En Iran par les Mongols et en Syrie par les Mamelouks, c'est-à-dire des soldats turcs qui vont dominer pendant deux siècles et demi la Syrie et l'Égypte. On a un texte de l'historien persan Juvaini qui raconte la prise d'Alamout. En Iran. En Iran, de la façon suivante. Les malheureuses femmes, comme la religion vide des assassins, ont été totalement détruites, et l'or de ces contrefacteurs insensés et fourbes, que l'on croyait purs, se révéla être du plomb. Aujourd'hui, s'il reste un assassin en quelque endroit, il exerce un métier de femme. Chaque rafik, compagnon. Chaque compagnon est devenu esclave. Les propagateurs de l'ismaélisme sont tombés sous l'épée des soldats de l'islam. Ainsi fut nettoyé le monde qu'avait sali leur ignominie. La coupe était pleine, on eût dit un vent qui se serait calmé. C'est un avertissement, conclut l'historien persan, c'est un avertissement pour ceux qui y réfléchissent, et Dieu fasse de même avec tous les tyrans. Et il ajoute, si je ne me trompe pas, qu'ils ne sont plus qu'un mot sur les lèvres des hommes. Chant pour le Mouled,
Naissance du prophète. Gabriel Martinez-Gros, toujours à propos de cette secte des assassins, il faut maintenant que nous en venions à leurs objectifs, je dirais presque à leur mode opératoire. Et d'abord, cette stratégie d'assassinat systématique. D'assassinat systématique, mais très ciblé. En tous les assassins ont dû mettre à mort une centaine de dignitaires, hein. Pour l'essentiel des hommes politiques, mais aussi des intellectuels. En gros, les assassins arrivent à la fin du XIe siècle dans un monde où le chiisme a paru devoir triompher et où il est précipité dans l'échec et persécuté presque par une réaction sunnite presque imprévue menée par une clique militaire turque en quelque sorte, appuyée par des intellectuels pour l'essentiel d'origine persane et quelquefois arabe et en gros ce sont ces deux branche de la réaction sunnite orthodoxe que les ismaéliens vont s'efforcer de frapper. Les intellectuels et les chefs militaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur principal objectif n'est pas du côté des francs, bien que ce soit aussi la période des croisades. Ce sont d'abord contre les sunnites, contre les dignitaires sunnites, que les assassins portent leur coup. Et ce n'est pas, contrairement à ce qui se passe actuellement, ce n'est pas à l'aveugle, le plus souvent, que leurs attentats se produisent. Oui, absolument. Ben, il faut dire que nous ne sommes pas dans les sociétés démocratiques. Nous sommes au XIIe siècle, c'est-à-dire que le massacre indiscriminé de plusieurs centaines de passants dans les rues d'une ville n'aurait guère provoqué d'émotions particulières, j'imagine. Donc l'objectif est adapté, en fait, à la nature du régime à laquelle, absolument, auquel on s'attaque. Absolument. Et on s'attaque, l'exemple de Nizam al-Mulk que vous donniez il y a peu est assez significatif, on s'attaque au maillon supposé faible. Le chef-d'œuvre de l'assassinat, c'est Nizam al-Mulk, puisque sa mort permet la dislocation de cet empire turc seljoukide, dont la menace était pressante sur les ismaéliens, sur la secte des ismaéliens en général, et elle va pratiquement, on peut dire que la mort de Nizam al-Mulk va prolonger de près d'un siècle à la fois le califat fatimide du Caire et la secte particulière des ismaéliens assassins. Donc les princes, les officiers, les ministres, mais d'autre part aussi les cadis, les dignitaires religieux. Voilà, c'est-à-dire ceux qui portent la parole. Les ismaéliens, les assassins plus exactement, ont compris que, aussi important que le sabre des militaires turcs qui leur tranchait la tête, la parole de ceux parmi les cadis ou parmi les intellectuels qui justifiaient cette répression. Et donc un bon nombre de ceux qui ont justifié la répression ont été la visée ou la cible soit du couteau des assassins, soit plus encore de la menace des assassins. On dit que le très illustre Razali, l'un des chefs de la réaction sunnite qui était persan, comme Nizam al-Mulk, et comme lui originaire de la ville de Tous, c'est-à-dire de l'actuelle Meshed dans le nord-est de l'Iran, a modéré ses discours sur les ismaéliens après qu'il ait reçu des menaces de mort, et on le dit aussi de Fakhreddin Razi, qui est là aussi un persan sunnite du nord de l'Iran, de l'actuelle région de Téhéran. On a dit que lui aussi a modéré son discours après avoir reçu des menaces très précises de mort. La menace suffit parfois sans que le coup soit porté. Et puis il y a le fameux Saladin, le grand Saladin, la fin du XIIe siècle, qui a été aussi un ennemi des assassins, qui a été menacé par eux, mais qui finalement leur a échappé. Qui finalement leur a échappé, mais à propos de Saladin, je crois qu'on peut évoquer peut-être cette anecdote qui veut que le vieux de la montagne, c'est-à-dire Sinan en l'occurrence, en effet, ait fait porter un message à Saladin, et le messager aurait dit à Saladin, je ne peux te parler qu'en privé. Et Saladin aurait fait, en gros, évacuer par, après avoir fait fouiller le messager, avoir fait constater qu'il n'était pas armé, il aurait fait évacuer la salle par tous, sauf les deux plus fidèles de ses mamelouks. En privé, a dit mon maître, reprend le messager, mais c'est de là, réplique Saladin, ne me quitte jamais, ni de jour ni de nuit, ce sont les hommes les plus fidèles. Alors le messager s'adresse à ces deux hommes et leur dit, si au nom de mon maître je vous demandais de frapper le sultan, c'est-à-dire Saladin, le feriez-vous? Et ils répondent, oui, ce sont des ismaéliens. Donc des agents, ce sont infiltrés, donc infiltrés jusqu'au côté même du prince. Alors voilà, pour comprendre ça, il faut comprendre que le pouvoir dans l'islam classique est très souvent environné
d'hommes qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire d'esclaves venus de loin. En gros, pour le prince musulman, le plus souvent, le rival le plus dangereux, c'est son parent qui peut prétendre au trône sur lequel il est assis. Donc pour écarter tous ceux dont l'importance sociale peut être menaçante pour le pouvoir, le souverain s'entoure le plus souvent d'esclaves venus de loin, d'esclaves par conséquent sans nom, d'esclaves sans origine, dont on ignore par conséquent et dont on veut ignorer tout, puisque cet esclave doit reporter toute son allégeance, oublier sa famille et reporter toute son allégeance au souverain dont il a la garde. Donc ce peuvent être ces fameux agents secrets que l'Amérique aujourd'hui déplore tellement de ne pas avoir pu infiltrer dans l'entourage de Ben Laden. Exactement, parce que Ben Laden, lui, évidemment, repose, enfin l'entourage de Ben Laden, on l'a souvent noté ces derniers temps, est un entourage quasiment familial ou clanique, c'est-à-dire qu'il est entouré de gens qu'il connaît depuis des dizaines d'années. L'avantage de n'avoir pas d'esclaves. Et l'avantage, en l'occurrence, de n'avoir pas d'esclaves et d'avoir rompu avec le système traditionnel du commandement et du pouvoir en islam classique. Cela étant dit, les assassins s'en sont pris aussi aux francs, et ça nous intéresse évidemment, parce que ça, c'est la civilisation d'en face. C'est le cas, on l'a même prétendu, mais il semble que ce soit une légende, qu'il serait venu en France comploter contre Saint-Louis au temps de son adolescence. C'est une légende, en effet. Non, il n'y a jamais eu d'assassin en Occident. En revanche, Joinville évoque, le biographe de Saint-Louis évoque les démêlés que le roi a eu avec les assassins après son arrivée en Palestine. Oui. Ça paraît vrai. Et ça paraît vrai, puisqu'effectivement, la présence des assassins en Syrie est bien attestée. Mais il est vrai, il est clair que dans l'ensemble, les assassins ont porté l'essentiel de leur coup contre les sunnites, les orthodoxes, qui eux menaient le djihad contre les francs, en particulier des hommes comme Saladin. Hein, et donc, que leurs attentats contre les francs n'ont été que marginaux, en quelque sorte. Hein, ils ont tué, le premier franc était Raymond II de Tripoli, en 152, puis vous évoquez tout à l'heure le cas de Conrad de Montferrat, il a à peine eu le temps d'être élu au trône de Jérusalem, qu'il a été oxy. Oui, mais il faut dire que le système franc n'ouvrait que peu de failles au couteau des assassins. Le problème du système franc, c'est d'une part que les souverains francs, d'abord, étaient entourés de chevaliers qu'ils connaissaient parfaitement, comme Ben Laden connaît aujourd'hui parfaitement ses proches, c'est le premier point, et le second, c'est que le système de primogéniture faisait que le pouvoir n'était guère ébranlé par les guerres de succession dans le système franc, comme il pouvait l'être dans un système comme celui des Turcs, où cette règle de la primogéniture n'existait pas. On ne savait pas qui serait l'héritier. Donc tout meurtre bien placé, si j'ose dire, au sein d'une dynastie turque déclenchait une guerre civile, tout meurtre en système franc, normalement, ne déclenchait rien du tout, étant donné que il y avait un successeur désigné et légitime que tout le monde acceptait. Il y avait un vice-président, comme on dirait aujourd'hui aux États-Unis. Oui. Exactement. Il faut des circonstances très particulières, comme celle de la chute du royaume de Jérusalem et la compétition de plusieurs pour le trône de Jérusalem, dont Conrad de Montferrat, pour que l'assassinat politique porte. On est en avril 1192. Et là, en avril 1192, l'élimination de Conrad de Montferrat laisse en effet le champ libre à son adversaire, qu'on a évidemment immédiatement accusé d'avoir payé les assassins pour faire assassiner Conrad de Montferrat. On ne le saura jamais exactement. Mais les mêmes assassins avouent qu'il est impossible, et d'ailleurs inutile, d'assassiner Richard Cœur de Lion, qui se trouve à ce moment-là, ou peu après, non, à ce moment-là même, en Terre Sainte, parce que Richard est entouré de chevaliers qu'il connaît bien, qui sont presque ses amis d'enfance, et d'autre part parce que le roi d'Angleterre serait immédiatement remplacé par son successeur désigné. Est-ce que vous dites, vous aussi, probablement pour les hospitaliers, pour les templiers, puisque tuer un responsable d'un de ses ordres n'aboutissait à aucun inconvénient grave. Joinville, d'ailleurs, toujours l'historien, biographe de Saint-Louis, explique qu'il ne craignait en rien le temple et les hospitaliers, il ne craignait en rien les assassins, parce que le vieil homme, le vieux de la montagne, ne pouvait rien gagner s'il faisait tuer le maître du temple ou de l'hôpital, car il savait bien que s'il en faisait tuer un, l'on y remettrait tantôt un autre aussi bon. Oui. Et pour ce, ne voulait-il pas perdre des assassins là où il ne pouvait rien gagner ? Absolument. Car généralement, l'assassin était sacrifié. C'est-à-dire que celui qui partait en mission d'assassinat ne revenait pas. Et n'était pas supposé revenir. Et c'est là qu'on en vient à un autre aspect qui est très très intéressant aujourd'hui. Dès lors que nous avons assisté à des attentats suicides, c'est l'endoctrinement, c'est l'esprit de sacrifice. Et ce qui est important de marquer, c'est que ce n'est pas, il faut bien le dire, à l'époque,
propre exclusivement aux vieux de la montagne, aux assassins, aux musulmans, puisque si l'on entend, par exemple, l'éloge de Saint Bernard aux Templiers sur le bonheur de mourir pour le Seigneur en date de 1128, qui va être lu ici, j'ai repris ça d'une ancienne émission d'Analyse Spectra de l'Occident, qui va être lu ici par Jean Marchat, on est frappé qu'il y a des tonalités d'époque sur les vertus, les avantages du sacrifice pour la divinité. Ceux que j'admire au-delà de toute expression, ce sont ces héros à l'audace encore inouïe, qui, dans leur courage, se sont ceints du double glaive et du double baudrier. Le chevalier, qui d'un même mouvement a revêtu son âme de la cuirasse de la foi et son corps de la cuirasse de fer, sûr de toutes parts, peut rester intrépide. Muni de l'une et l'autre armure, il ne craint ni l'homme ni le démon. Loin de redouter la mort, il la désire. Le Christ est sa vie. La mort est un gain. De quoi aurait-il peur? Sa vie est confiance et abandon à Dieu. Il ne pourrait avoir qu'une préférence d'être libéré des liens de la chair et d'achever son union avec le Christ. Allez donc en toute certitude, chevalier, et chargez avec courage les ennemis de la croix de Jésus, certains que ni la mort ni la vie ne pourront vous séparer de la charité de Dieu qui est le Christ. Au milieu des dangers, répétez-vous le mot de l'apôtre. Vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Réjouissez-vous si vous survivez à votre victoire. Réjouissez-vous davantage encore si la mort vous unit à Dieu. La vie en effet est féconde et la victoire glorieuse. Mais une sainte mort est plus grande. Car si ceux-là sont bien heureux qui s'endorment dans le Seigneur, combien plus heureux encore ceux qui sont morts pour lui. Plus heureux ceux qui sont morts pour Dieu, Gabriel Martinez-Gros. On a du côté des croisés la même idéologie, la même conviction, la même foi. Où est-ce qu'on peut voir néanmoins des différences fortes entre ces deux attitudes? Ce texte de Saint Bernard est tout de même très profondément enraciné dans le christianisme, évidemment. Louange de la nouvelle chevalerie du Christ. Voilà, c'est-à-dire c'est la nouvelle chevalerie du Christ, en l'occurrence, c'est le fameux ordre des Templiers qui naît au début du XIIe siècle et qui sera si cruellement supprimé par Philippe le Bel au début du XIVe siècle. En fait, ce que dit là Saint Bernard, et ce que réalise là Saint Bernard, au moins en parole, et ce que les Templiers vont réaliser en fait, c'est l'union des deux pôles apparemment très opposés des valeurs chrétiennes médiévales. D'un côté, le moine, c'est-à-dire celui qui s'abstient de la chair, du sexe et du sang, et de l'autre côté, le pôle de la chevalerie, c'est-à-dire tout le contraire, la guerre. Donc, ne forçons pas le rapprochement, même si cet esprit de sacrifice se retrouve des deux côtés. Ne forçons pas le rapprochement, mais c'est vrai qu'il y a en particulier avec le chiisme ismaélien un rapport difficile avec la loi. En fait, de la même façon que la loi des moines est presque ouvertement et joyeusement transgressée par cette nouvelle chevalerie qui fait la guerre et qui va verser le sang alors qu'elle est soumise en principe aux vœux du monachisme. De la même façon, les Ismaéliens ont un rapport difficile avec la loi, enfin avec la charia. La charia, exactement. C'est-à-dire que l'abolition de la loi fait partie du privilège des imams. L'accomplissement de la loi que Mohammed a apportée, c'est logiquement son abolition. Et c'est ce que doivent apporter un jour ou l'autre, hein, le jour de Qiyam, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le jour où Dieu en aura ainsi décidé, hein, c'est ce que doivent apporter les imams, l'abolition de la loi. C'est pourquoi une des choses qui frappe évidemment les voyageurs occidentaux ou les observateurs occidentaux, c'est par exemple le fait que les Ismaéliens, les assassins, mangent du porc et ne s'interdisent... rompent l'interdit d'inceste, le tabou de l'inceste. Alors, ne s'interdisent aucune femme. Il faut que nous en venions, parce qu'évidemment, l'importance actuelle en est grande, il faut que nous en venions aux méthodes d'endoctrinement par les assassins de ces jeunes gens qui vont être ensuite envoyés
pour des attentats suicides. Toujours le même envoyé de Frédéric Barberousse disait à ce propos, en évoquant ces jeunes gens, fils de paysans, qui étaient recrutés dans les palais du vieux de la montagne, à partir du moment où, enfants, ils pénètrent dans ces palais, ils ne voient d'autres personnes que leurs professeurs et maîtres, et ne reçoivent d'autres enseignements, jusqu'à ce que le prince les mande en sa présence pour les envoyer tuer quelqu'un. Une fois devant le prince, celui-ci leur demande s'ils sont disposés à obéir à ses ordres, afin qu'ils puissent leur accorder le paradis. Alors, comme il leur a été appris, et sans émettre ni objection ni doute, ils se jettent à ses pieds et répondent avec ferveur qu'ils lui obéiront en toute chose qu'il leur donnera. Le prince donne alors à chacun un poignard d'or et les envoie tuer quelques princes de son choix. Oui. Si on commence par la fin, une des choses intéressantes qu'on peut noter chez les assassins, je ne sais pas s'il en serait de même chez les terroristes d'aujourd'hui, c'est le choix du poignard. Il n'y a guère que le poignard est presque une arme obligatoire de l'exécution chez les assassins. Ils ne se sont jamais servis, semble-t-il, d'une autre arme, alors que dans un certain nombre de cas, le poison eût aussi bien fait l'affaire. Mais il y a une sorte de consécration du poignard chez eux. Et en cela, il y a probablement chez les assassins un écho du djihad, mené contre l'orthodoxie sunnite, et non pas contre des infidèles ou d'autres non-musulmans, mais c'est un écho du djihad en ce sens qu'il s'agit bien d'un acte conçu comme un acte de guerre. Hein. L'assassinat est bien un acte conçu comme un acte de guerre, et c'est normalement un acte auquel on ne doit pas survivre. Il y a quelques hontes à survivre à l'assassinat. Ah oui, une histoire étonnante, celle que raconte un historien d'Alep à propos de l'assassinat d'un gouverneur de Mossoul, qui raconte que tous ceux qui l'attaquèrent furent tués, je cite, hormis un adolescent qui s'échappa indemne. Il avait une mère âgée. Lorsqu'elle entendit que Bursuki avait été assassiné, c'est le nom du gouverneur, et que ses agresseurs avaient péri, sachant que son fils était l'un d'entre eux, elle se réjouit, s'enduisit les paupières de Kohl et fut très heureuse. Hélas, quelques jours plus tard, son fils revint, sain et sauf, et elle se désola, s'arracha les cheveux et noircit son visage. Voilà. C'est une honte que son fils ait échappé en quelque sorte au massacre. Absolument, parce que comme dans cette action terroriste, comme dans le djihad, comme dans la croisade chrétienne, alors là on peut faire le rapport, hein, l'essentiel c'est d'y mourir, ce n'est pas d'y vaincre. Hein. L'essentiel c'est d'y souffrir. Le thème même, la couleur même du mot djihad en arabe implique davantage la souffrance, l'endurance que la victoire. Alors on peut pas s'empêcher de penser qu'il reste des traces, des permanences tout à fait frappantes. D'ailleurs, on observe que plusieurs des bastions actuels du Hezbollah étaient au Moyen-Âge les fiefs des assassins. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, puisque le chiisme libanais est, enfin, ou plutôt syro-libanais, est en partie le terreau sur lequel la secte des assassins a prospéré, en effet. Et en même temps, il ne faut pas forcer le rapprochement. En tout cas, il faut observer que du côté de Oussama Ben Laden, on est wahhabite. Et d'autre part, le terrorisme religieux qui vient de frapper aux États-Unis se réclame des sunnites. Du sunnisme, absolument. Et il est même en partie né contre le chiisme. Il est né très précisément, en particulier au Pakistan, pour s'opposer à la diffusion de la révolution iranienne khoméniste dans les années 80. C'est là que les organisations sunnites qui aujourd'hui soutiennent Oussama Ben Laden et ses troupes à une tradition, chiite, cette idée de sacrifice de chats d'âne. Non, c'est une tradition islamique en général, celle du djihad. Hein. Et tout cela malgré la condamnation du suicide par le Coran. Mohamed Atta, un des kamikazes désormais fameux du 11 septembre, on a su qu'il avait placé en exergue dans un de ses travaux universitaires à Hambourg, à la faculté de Hambourg, la sentence « Mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu ». On est là exactement dans la lignée des assassins, cette tradition du sacrifice. Tout à fait. Alors l'allusion au fait que je ne connaissais pas, j'avoue, l'allusion de l'offrande de la mort, ça c'est peut-être un peu plus typiquement chiite, en effet. Hein. Le chiisme, au contraire du sunnisme, le chiisme est fondé sur un martyr, celui de ce petit-fils de Mohammed qui s'appelle Al-Hussein et qui a été assassiné, tué par les troupes omeyyades en 680 dans des conditions particulièrement dramatiques, dont le meurtre est une sorte de passion à l'égal de la passion dans le christianisme, du Christ dans le christianisme, une sorte de passion constitutive de la sensibilité du chiisme.
Donc le dolorisme de la mort est plus présent dans le chiisme et plus encore dans le chiisme ismaélien que dans le sunnisme. Il y a une autre donnée, un autre rapprochement qu'on peut faire légitimement, c'est l'importance du chef. Est-ce que, Gabriel Martinez-Gros, qui vous paraît illégitime de rapprocher la personnalité de Sinan de celle de Ben Laden, dès lors que on nous dit que Sinan affichait une grande dévotion et même un certain ascétisme, extrêmement sobre, il ne portait que des vêtements grossiers, c'était un homme dur et redouté, éloquent et persuasif. C'est pas tellement différent de l'idée qu'aujourd'hui Ben Laden souhaite donner de lui, ou d'autre part le Mollah Omar. Et on remarquera, même si ce sont des sunnites absolument décidés, même fanatiques, on remarquera tout de même qu'il y a des traits de chiisme dans le fait que, dans le secret dans lequel ils se tiennent, par exemple, ou l'absence d'image dans une société comme la nôtre, assez paradoxale, qu'ils maintiennent. Hein. Nous n'avons pratiquement pas d'image du Mollah Omar, et au total, très peu de Oussama Ibn Laden. Avec une vénération, évidemment, de tous ceux qui l'entourent. Il y a une anecdote fameuse, qui est peut-être légendaire, selon laquelle Sinan aurait déclaré à un envoyé de Saladin qu'il allait lui montrer les hommes avec lesquels il les rencontrerait. Oui. Il a fait signe à un de ses compagnons se jeter du plus haut de la forteresse, et les uns après les autres, tous l'ont fait, après l'avoir salué, et périr. Voilà. Il arrive que la menace suffise. On dit que Saladin s'est abstenu après cela d'attaquer les assassins. On comprend un peu. درگاه فیض و بستنیست درگاه فیض و بستنیست طالب من بیا درگاه فیض و بستنیست طالب من بیا و کز فیض صبح دم. C'est un chant soufi, Mohamed Youssouf du Collège de théologie d'Herat en Afghanistan. Gabriel Martinez-Gros, ces assassins ont ceci de frappant et qui naturellement attire notre attention aujourd'hui, qui est un art consommé du déguisement, l'art de l'infiltration. Oui, c'est assez étrange. Ça ne l'est pas dans notre société d'aujourd'hui. On le comprend mieux de la part d'Oussama Ben Laden ou de ces groupes terroristes aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés très largement anonymes et très largement ouvertes. On comprend qu'on ait quelque mal à retrouver aujourd'hui la piste de terrorisme. Mais on s'étonne que des sociétés du XIIe siècle, on puisse pratiquer un tel art du déguisement et on puisse s'infiltrer si haut dans les hiérarchies sociales. Je crois qu'une des raisons fondamentales, c'est cette organisation très particulière du pouvoir musulman dans la plupart du moins des dynasties. Cette organisation qui fait que le souverain est entouré d'esclaves. D'esclaves dont presque par définition on ignore totalement les origines. Il reste probablement autre chose, c'est-à-dire le fait que tous ou presque dans ces milieux du pouvoir, qui sont les seuls affectés par l'assassinat politique, tous ou presque pratiquent des langues qu'ils maîtrisent plus ou moins bien. Et donc la puissance de l'accent ou même la maladresse des termes sont des choses très... La maladresse de la maîtrise de la langue sont des choses très très fréquentes, très communes, probablement dans ces milieux. Et qui ne désignent pas du coup des étrangers. À vrai dire, dans ces milieux du pouvoir, il y a une extrême bigarrure, en quelque sorte. De ce point de vue-là, évidemment, les États-Unis d'Amérique... Exactement. Et là, il y a des rapprochements à faire. Tout à fait, parce que c'est un pays qui, beaucoup plus que d'autres, est habitué à la diversité des accents, des langues, et qui, au fond, est plus tolérant en profondeur à la différence des étrangers, dès lors que ceux-ci ne manifestent pas d'excentricité visible, ce que, évidemment, les futurs auteurs d'attentats se sont bien gardés de faire. Et puis, nous sommes aussi dans une société où
voyage beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. On voyage pour étudier. Au Moyen-Âge. Un autre 12e siècle, 13e absolument. Siècle. Et bon, ça rapproche effectivement cette société, cette élite des sociétés urbaines de la nôtre. On voyage aussi pour la science. On voyage pour écouter des cours. Et on vient de très loin. Et il n'est pas toujours certain qu'on parle très clairement et très précisément la langue de celui dont on écoute les cours. Lorsque des étudiants qu'on dit originaires du Khorasan ou de l'Asie centrale assistent au cours d'un professeur à Bagdad, il est probable que ils annonnent plutôt qu'ils ne parlent clairement la langue de celui qu'ils écoutent. Et par conséquent, toutes les possibilités, en effet, de déguisement ou d'infiltration sont possibles dans ces cas. Vous pouvez vous faire passer pour du Khorasan, pour un homme du Khorasan, c'est-à-dire du nord-est de l'Iran, lorsque vous êtes maghrébin et que vous vivez à Bagdad. Enfin, c'est évident, puisqu'à Bagdad, on connaît mal aussi bien les langues du Khorasan que celles du Maghreb. Il faut dire naturellement un mot, on nous attendait là. À l'origine qu'on prête à l'expression assassin, on dit que l'étymologie, on dit souvent que l'étymologie se viendrait de l'arabe hashishia, c'est-à-dire fumeur de hashish. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est imaginaire ? Ah, immense débat dans lequel de plus grands que moi, c'est-à-dire en particulier le grand Sylvestre de Sacy, le plus grand orientaliste français du début du XIXe siècle, en effet, s'est plongé. Alors, il a retrouvé des textes arabes où, effectivement, bon, ça semble aujourd'hui à peu près établi, le nom d'assassin était mis en relation avec le hashish, c'est-à-dire apparemment avec la consommation de hashish. De chanvre indien, seulement dans la mission syrienne, seulement en Syrie, jamais en Iran. Donc il semble que ce soit en Syrie que dans les plèbes urbaines qui leur étaient très hostiles. En général, le nom de Hashishi est désigné les assassins. Je vois en même temps que Bernard Lewis, qui est le grand historien de cette secte des assassins, nous dit qu'en réalité, on aurait donné ce nom à la secte en signe de dérision et de mépris à cause d'un comportement excessif, voilà. Comme s'ils étaient sous l'emprise de la drogue, ce qui est un peu différent. Absolument, absolument. Mais la légende a couru, et même dans les textes francs, dans les textes occidentaux, la légende a couru que le vieux de la montagne réussissait à convaincre les jeunes gens, les futurs assassins, les futurs tueurs, de se précipiter à leur mission en leur montrant les jardins du paradis, c'est-à-dire qu'il les endormait, les menait dans des jardins encore endormis, où lorsqu'ils se réveillaient, ils se voyaient entourés de toutes sortes de merveilles de la création, y compris bien sûr des jeunes filles de toute beauté qui leur étaient permises tout au long de la journée ou de plusieurs jours, après quoi ils s'étaient rendormis et ramenés à l'extérieur, et on leur faisait penser ou on leur faisait croire qu'ils étaient allés au paradis et qu'ils y retourneraient lorsqu'ils auraient accompli leur mission. C'est probablement une pure illusion. Il y a un beau texte de Marco Polo qui est traversé la Perse en 1273 et qui a décrit la forteresse d'Alamut dont nous parlions tout à l'heure. Si légende il y a, c'est l'un de ceux qui a contribué à la construire. Il raconte ceci, le vieil homme, le vieux de la montagne, était appelé en leur langage Aloédin. Il avait fait enclore en une vallée entre deux montagnes le plus grand et le plus beau jardin qu'on vit jamais. C'est bien l'histoire que vous venez de nous dire. Plein de tous les fruits du monde. Il y avait là les plus belles maisons et les plus beaux palais qu'on eût jamais vus, tout dorés et décorés de belles peintures. Il y avait des canaux qui transportaient du vin, du lait, du miel et de l'eau, toutes les sources de plaisir en abondance. Et, ajoute Marco Polo, c'était plein de dames et de damoiselles, les plus belles du monde, qui savaient jouer de tous les instruments, chanter à merveille et si bien danser que c'était un délice de les voir. Et leur faisait croire le vieil homme que ce jardin était le paradis. Et pour ce, l'avait-il fait de la manière que Mahomet dit que sera le paradis, beau jardin plein de canaux de vin, de lait, de miel et d'eau, et plein de belles femmes aux délices de chacun. Et pour les sarrasins de ces contrées, c'était vraiment le paradis. Alors on ne peut pas ne pas songer à ce que l'on a su des derniers textes qui encourageaient les terroristes de septembre à aller jusqu'au bout de leur effort avec l'évocation des jardins du paradis, ces fameuses 70 vierges qui serait promise aux hommes du 11 septembre. Oui. Très probablement, à l'origine, enfin au XIIe siècle, il faut mettre la chose en rapport avec le
l'abolition de la loi. L'abolition de la loi, c'est la rentrée au paradis. Hein. Et donc, c'est dans le christianisme comme dans l'islam, cette abolition de la loi qui est une contrainte, qui est une conséquence du péché originel au total, hein, cette abolition de la loi permettra enfin de surmonter tous les interdits qu'elle recèle et fera rentrer l'homme dans sa demeure originelle qui est le paradis. Alors, je ne sais pas si on peut faire le rapport aujourd'hui avec une sorte d'abolition de toutes les règles de la loi internationale dans le cas des assassins du 11 septembre, mais c'est possible, en effet. Hein, il y a une forme de, je sais pas si on doit appeler ça antinomisme ou hostilité à la loi, la règle, à la norme, à la règle, à la norme. Se confond finalement avec la domination de la civilisation occidentale. Et il y a même du simple point de vue du courant politique dominant un point de comparaison à faire entre le fait que la secte des assassins est apparue dans un moment de reflux du chiisme et le fait que le Oussama Ben Laden apparaît au moment du reflux de l'ennemi par excellence du grand Satan américain. Le triomphe américain est contemporain du terrorisme, je veux dire le triomphe qui a suivi bien entendu l'effondrement de l'Union soviétique et la guerre du Golfe. Et de la même façon, le terrorisme ismaélien à la fin du XIe siècle s'attaque, et d'ailleurs sans succès, au triomphe du sunnisme orthodoxe qu'emmènent les militaires turcs et les intellectuels persans qui leur servent de caution. On frappe une civilisation à son apogée. On frappe une civilisation à son apogée pour essayer d'empêcher ce qu'on ressent peut-être déjà comme l'inévitable. Hein. En l'occurrence, les assassins, il faut le dire, ont totalement échoué. Oui, ça c'est intéressant aussi, oui. Et surtout assez réconfortant, si on pousse par extrapolation la comparaison jusque dans notre prochain avenir. Les assassins ont échoué. Ils ont échoué pourquoi ? Ben, ils ont échoué parce que finalement, leur but était, par quelques assassinats bien placés, si j'ose dire, et par le maintien de quelques forteresses éloignées et inaccessibles qui leur serviraient de base arrière, leur but était tout de même de renverser le pouvoir ou le cours des choses dans les villes, dans les centres du monde musulman. Or, ils n'y ont pas réussi. C'est-à-dire que même s'ils ont réussi à provoquer des guerres civiles et des troubles très importants dans l'Empire seldjoukide, au total, ils n'ont pas ébranlé le bloc des militaires turcs et surtout, plus encore, des hommes de religion et des intellectuels orthodoxes sunnites qui ont au total réussi, malgré toutes leurs craintes, à leur opposer une sorte de front uni. En dépit des querelles farouches qui les divisaient, notamment au moment des successions, ils ont fait bloc devant l'adversaire. Devant l'adversaire, absolument. Là encore, on peut peut-être comparer au moins pour l'heure l'unité du monde occidental. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre donnée, peut-être, qui est l'affrontement d'une civilisation plus rurale avec un monde urbain ? Les assassins s'enracinent, s'accrochent dans la pauvreté, l'aridité, l'austérité des montagnes, une ruralité sommaire pour aller attaquer les villes avec d'ailleurs peut-être une sorte symbolique de la dépravation de ce côté-là. Oui, il y avait au départ sans doute l'espoir que la majorité des populations urbaines se retourneraient en leur faveur. Et puis lorsque cet espoir est déçu, en effet, alors ils deviennent, et ils ne sont pratiquement plus politiquement dangereux à ce moment-là, ils deviennent les représentants d'un monde rural et marginal, en quelque sorte, qui combat la ville en tant que telle. Et dans ce cas, à ce moment-là, ils sont déjà perdus, ou pratiquement. C'est-à-dire à partir du milieu du XIIe siècle, ils sont perdus. La ville triomphe. La ville a triomphé ce sont les méthodes du XIIe siècle, hein, mais les massacres d'assassins se font systématiques dans les villes d'Iran ou même de Syrie, dans les grandes villes d'Iran et de Syrie à partir de la première moitié du XIIe siècle. Et on peut penser qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où la plèbe urbaine a massivement pris parti contre eux et contre leurs assassinats, ils ont perdu la partie. Même s'il y a quelque chose d'anachronique à parler d'opinion publique pour ce Moyen-Âge, néanmoins, vous nous dites que c'est l'évolution du comportement des foules des villes qui a été essentielle. Tout à fait. On n'a pas réussi à détourner une adhésion minimale à leur souverain, à leurs chefs ordinaires. Les assassins pensaient sans doute pouvoir représenter une forme de réaction naturelle des vieilles populations de l'Empire persane et arabe pour l'essentiel, en particulier face aux militaires turcs, et ils n'ont pas réussi cela.
ils n'ont pas réussi cela, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à représenter cette forme de réaction du vieux monde, enfin des civilisations du vieil empire arabo-persan en quelque sorte, qui avait dominé les 3 ou 4 premiers siècles de l'islam face à ces nouveaux venus d'une orthodoxie rigide qu'étaient les Turcs. C'est contre eux que finalement ce qu'on va appeler l'esprit populaire, acceptons l'anachronisme, ou l'opinion publique, c'est contre eux que finalement cette opinion publique s'est tournée. Eh bien, je crois que nous ne pouvons pas être frappés par les rapprochements possibles, en prenant bien soin de montrer que ces civilisations, celles du Moyen-Âge et la nôtre, sont tellement lointaines que les différences sont grandes. Néanmoins, les échos sont frappants. Probablement faut-il dire aussi que même si cette crise, moment des assassins, est spécialement remarquable, concentré, peut-être spasmodique, ce n'est peut-être qu'un parmi une longue série de mouvements messianiques, populaires et obscurs, qui ont été suscités par des angoisses profondes et qui ont débouché de temps en temps sur des explosions. Donc on ne peut pas non plus croire que ce soit jamais, on n'en est jamais fini avec eux. C'est vrai, mais ils ont tout de même très profondément marqué le monde de l'islam. Bernard Louis dit avec assez juste titre, je crois, dans son livre sur les assassins, que probablement le monde de l'islam sunnite tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec sa rigidité extrême, vient du combat et de la victoire contre les assassins. Ce triomphe, il a laissé des traces profondes, et c'est peut-être la victoire posthume, très postérieure des assassins, que cette espèce de rigidité du monde sunnite qu'ils auront en partie déterminée contre eux. Ce sera notre dernier mot, Gabriel Martinez-Gros. Le livre de Bernard Lewis auquel vous faites allusion, on peut se le procurer, il a été édité aux éditions Complexe en 1984. Il s'intitule « Les assassins, terrorisme et politique dans l'islam médiéval ». Je renvoie aussi un article d'Anne-Marie Hédé dans l'Histoire de septembre 92, numéro 158, « Les assassins, une secte terroriste », au numéro de novembre de l'Histoire, qui est précisément consacré à divers précédents des attentats terroristes à travers les siècles. Et je signale deux livres de vous, Gabriel Martinez-Gros. D'une part, Identité andalouse, ça nous conduit vers l'Espagne, naturellement, du Moyen-Âge, cette Espagne si passionnante, 1997, aux éditions Sinbad, repris ces jours-ci aux éditions Actes Sud. Et puis vous avez traduit un traité d'amour andalou, je tiens aussi à le signaler, de l'amour et des amants, un traité d'Ibn Hazm. C'est ça, d'Ibn Hazm. La semaine prochaine, dans le cadre du festival du film historique de Pessac, nous parlerons des juges et de l'aveu au Moyen-Âge et de nos jours, avec Jacques Chiffolo.